L'arbuste que nous avons le privilège de vous présenter maintenant est celui qui est ici. Hein. Il s'agit de Cassia alata. C'est une plante, disons, avec des feuilles assez jolies. Hein. C'est une plante ornementale même, on peut dire. Les fleurs aussi, c'est très joli. Apparemment, c'est une plante originaire d'Amérique du Sud, mais on la trouve maintenant un peu partout en Afrique tropicale, hein, depuis le Sénégal jusqu'au Nigeria. Et selon certains observateurs, cette plante, lorsqu'on la voit sur un terrain, c'est un indice d'une certaine fertilité du sol, même si dans le cas présent, hein, le sol est un sol argileux. Voilà, il y a toute une colonie qui a poussé, c'est argilo-latéritique. Hein. On voit un pied là, un autre pied là. Toute une colonie, tout autour là, on le voit. Et au moment de la floraison même, c'est assez impressionnant. Hein, c'est très beau à voir. Et Cassia alata, donc, peut atteindre, je peux donner les dimensions de ça, ce pied sur lequel nous allons nous baser pour faire notre description. Ah, lui, il a à peu près, hein, si je m'en réfère à ma règle, il a à peu près, on va dire, si on regarde les rameaux les plus élevés, le long de 1,90 m. Mais on a avancé des chiffres de 2 jusqu'à 3 mètres de haut. Hein. Alors, ce qui paraît tout de suite évident, hein, quand on regarde, on voit que ces feuilles composées paripennées, hein, c'est-à-dire que ça se termine par une paire de folioles, lorsqu'on arrive dans la zone, le matin, quand le soleil se lève, à un moment donné, on voit que les feuilles là s'ouvrent. Au matin donc, les feuilles vont s'ouvrir, comme pour recevoir les rayons du soleil, et le soir, elles se ferment. Hein. Quand le soleil est en train de se coucher, elle se ferme. Donc c'est assez photosensible. Et ça, c'est un phénomène assez remarquable. Ensuite, on peut voir que les tiges sont assez ramifiées, hein, dès la base. Voilà, c'est parti un peu dans tous les sens. Donc ça forme en lui seul une sorte de buisson. Et on peut deviner sur le cas présent, hein, qu'il y a des flaques d'eau qui se formaient même ici. Donc il peut s'accommoder des sols relativement mal drainés, ça se voit là, il y a des traces de flaques d'eau. Et le tronc a une couleur, on va dire, disons, l'écorce du tronc a une couleur gris foncé, hein, en élévation, et puis sur un fond plus marron, en fait, qu'on peut voir très clairement ici. Donc on va dire que la couleur du tronc est de marron à gris foncé. Hein, marron dans le fond, et puis gris foncé sur les élévations de l'écorce. On peut voir déjà, hein, que les feuilles sont disposées de manière alternée. Là, une feuille ici, avec son attache de pétiole sur le rameau, une autre feuille là, une autre feuille là, une autre feuille là, ainsi de suite. Et il est assez remarquable aussi de regarder sur une feuille où il y a toutes les folioles, que c'est quasiment attaché, hein, au rameau sans pratiquement de pétiole. Là, on peut le voir clairement ici. Hein, les deux petites folioles qui sont là, eh bien, sont quasiment sur le rameau. Hein. Et donc, c'est des feuilles composées, pennées, on dira même paripennées. Et quand on compte le nombre de folioles, on peut voir une paire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur celle-là. Celle-là, on peut compter aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va dire un chiffre entre 8 et 12 paires de folioles. Hein. Et quand on regarde maintenant la forme des folioles, c'est assez remarquable. Hein, les folioles
inférieures ont une forme régulière, ovale. On peut voir la forme ici, hein. C'est assez régulier, c'est ovale. Tandis qu'à l'extrémité, hein, la paire de folioles qui est à l'extrémité a une forme plutôt obovale. On peut voir dans le tiers supérieur, hein, la feuille est élargie. Donc c'est forme obovale. Tandis que pour les folioles qui sont en bas, hein, on voit que la forme est plutôt ovale, régulière. Le rachis lui-même est très marqué, hein, en donnant donc sur les folioles avec une sorte de petites ailes. Hein. Maintenant, la longueur du rachis, hein, depuis l'attache sur la tige, hein, jusqu'à l'attache de la dernière paire de folioles, c'est environ combien, 30, 29 à 30 cm de long. Maintenant, si on prend les folioles, on peut donner pour la paire qui est située à l'extrémité, on peut donner une idée de la grandeur. Hein. Là, on a une longueur de combien, 8 cm et demi. Dans la partie la plus élargie, c'est 4 cm et demi. Sur des feuilles plus petites, bien entendu, les dimensions vont changer légèrement. Donc là, largeur 3 cm sur une longueur de 7 cm. Maintenant, on peut regarder sur les folioles. Comment sont la nervure principale et les nervures secondaires, hein. Là, on voit que la nervure principale est assez visible, tandis que les nervures secondaires sont assez évanescentes, en fait. On va lever un peu les herbes, là, de chaîner la vue. Alors, nous pouvons compter quand même, hein, le nombre de paires de nervures secondaires sur cette feuille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il faut remarquer que, bon, donc on a 12 paires, mais elles ne sont pas forcément opposées, hein, face à face. La couleur de la feuille, dans la partie supérieure, qui regarde vers le ciel, donc un vert, on va dire, vert normal, hein. Tandis que ça devient un tout petit peu blanchâtre au dos, la face, qui regarde vers le sol. Et les nervures sont un peu plus visibles, un peu plus en relief. Alors, là aussi, on voit que les folioles sont attachées quasiment sans queue, hein, sur le rachis, qui est donc l'axe qui est là, l'axe central. Alors, l'inflorescence se présente en racème, en fait. Il s'agit de fleurs donc groupées en grappes, comme on voit ici. C'est de belles fleurs, de grandes fleurs, de couleur jaune orangé, un peu couleur or, quoi. Hein, et c'est très beau. On peut voir là, les fruits ont commencé à se former là, mais on peut voir sur d'autres racèmes un peu plus loin. À un moment donné, quand on passe, en fait, on voit que l'arbuste est couvert de ces fleurs, de ces belles fleurs. C'est ça qui attire d'ailleurs en premier. Hein. C'est tellement beau. Et donc, on voit là que les fleurs apparaissent à l'aisselle des feuilles. C'est très visible ici. Voici une feuille. À l'aisselle, la fleur, le pédoncule qui porte donc le racème, hein, est apparu là. Et il fait combien? Il fait jusque dans les 6 cm de long, hein. Et ensuite viennent ces belles fleurs. Hein. On peut essayer de récupérer. Bon, là, il y a le fruit, ça a été fécondé déjà, le fruit s'est formé. Mais disons, on va mesurer d'abord la longueur de la partie qui porte l'ensemble de ces belles fleurs. Hein, ça fait dans les quoi, 19 cm. Il y en a qui sont plus hautes que ça. Hein. Ça peut faire dans les 20 cm. Et quand on regarde. Si je récupère par exemple cette fleur là que je coupe sur le racème, on peut en voir les pétales, hein. D'abord les sépales, combien il y en a, elles ont commencé déjà à tomber là dans ma main, donc il y a une, deux, hein,
Voilà, je les enlève. Ça formerait donc les éléments les éléments de ces pales. Il y en a cinq, hein, cinq là. Et à l'intérieur, donc, il y a les éléments aussi de pétales qui sont là. Et si on compte, on va trouver là une, deux, trois, quatre et cinq aussi. Il y a cinq éléments. Et au milieu, bien sûr, là, bon, les étamines sont tombées, hein, parce que la fleur a déjà été fécondée, hein, et on voit les fruits qui arrivent là. Bon, non, là, on voit une étamine, hein, c'est très visible là, avec grosse tête, l'anthère, qui est rempli donc de pollen, tandis qu'on voit là, ouais, le reste des étamines. Donc il y a une, deux, trois ici. On voit le pistil là, avec à sa base l'ovaire. Donc c'est ça, donc le pollen qui va être déposé. Parfois avec l'aide des insectes, hein. Et donc la fleur va être fécondée là, à la base, et donc l'élément fruit va commencer à se développer, hein, va se développer. On peut donner une dimension, hein, de l'élément de fleur la partie racème qui les regroupe. Donc on voit un diamètre ici, on peut dire en gros, hein, de 1,5 cm et demi à 2 cm, quoi. Alors bien sûr, voilà un petit fruit. Ce sont des gousses, hein, voilà, qui a commencé à se former. Et on va donner maintenant les détails. Une fois que les fleurs sont fécondées, elles donnent des gousses. Voilà de jeunes gousses ici qui ne sont pas encore à maturité. Mais c'est déjà assez bien développé. On peut prendre celle-là, par exemple, pour donner ses dimensions. Là, on a une longueur de combien? Jusqu'à à peu près 12 cm, hein, sur une largeur. Alors, une largeur de combien? 2 cm et demi, à peu près, selon les ailes les plus larges. Parce qu'en fait, le fruit est formé de, on va dire, de quatre ailes, hein, ou bon. Si on regarde bien, on peut appeler ça plutôt vraiment les ailes. Il y a en tout cas deux grandes ailes qui sont là. Et aussi, perpendiculairement à ça, on a deux petites ailes. Et d'ailleurs, à maturité, justement, la gousse va s'ouvrir le long de ces petites ailes qui sont là. On peut voir d'ailleurs sur un fruit mûr. Hein, quand c'est pas mûr, c'est de couleur verdâtre comme ça. Mais une fois que c'est mûr, ça prend une couleur plutôt noirâtre, comme on voit ici. Et ça a commencé à s'ouvrir le long des petites ailes. Donc on attrape les grandes ailes. Si on les tire, on peut faciliter même la sortie des graines. Hein, il y a de nombreuses graines à l'intérieur. Voilà. Donc, qui sont. Voilà, de nombreuses graines. Voilà pourquoi c'est une plante qui se reproduit très facilement, avec des taux de germination 25 degrés qui peut avoisiner les 100%. Voilà de nombreuses graines. Bon, il y a quelques-unes qui nous ont échappé, hein, mais on peut voir là, on peut tenter de les compter même. Hein, déjà là, j'en ai combien? J'en ai ici 5, et après on en a 5 autres là, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Alors si on essaie de les regrouper par le groupe de 5, on peut voir que, voilà, on peut avoir une idée du nombre de graines. Hein. Bon, c'est pas très très strict, mais disons, on va globalement les regrouper par groupe de 5. Et là, on peut estimer à combien? Là, on peut estimer à peut-être 5, une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une quarantaine de graines à l'intérieur, qui sont de forme, disons, on va dire, obovale, hein, en fait. C'est l'extrémité inférieure est petite, tandis que c'est un peu plus enflé vers le haut. Et la dimension de la graine, on peut dire que dans la partie hauteur, hein, on a combien? 4 mm.
sur une, disons, une largeur de aussi à peu près 4 mm. Donc ces graines, une fois qu'on les recueille, on peut les semer, et ça peut donner donc les pieds de Cassia alata, une très belle plante ornementale que l'on peut introduire à l'intérieur de nos cours même, hein, dans les jardins donc. C'est très beau à voir. Alors, si on les sème en ligne, c'est très impressionnant. En ce qui concerne les noms, dans les langues locales, Cassia alata va être appelée au Mali par les Malinkés Kontaba. Kontaba, c'est-à-dire le tabac des rivières. Et les Bambara ont le même nom. Maintenant, quand on part du côté de la Guinée, eh bien, les Malinkés là-bas vont l'appeler Katambatier. Hein? Katambatier. Les peuples de la Guinée vont l'appeler Sendio Well, ou bien Sendien Gel. Maintenant, côté du Sénégal, les Wolofs vont l'appeler Mbata. Mbata. En Côte d'Ivoire, les Agni vont l'appeler Nya Adro. Nya Adro. Hein? Les Bétés vont l'appeler Gobléi. Gobléi. Tandis qu'au Bénin, dans la langue Ewe, ils vont l'appeler Madosohome. Madosohome. En fond, ce sera Amasu. Amasu. Donc voici quelques noms tirés de la littérature. Hein. Bien entendu, on va lister, comme dans chacune de nos vidéos, les différentes applications en médecine par les plantes.